Bonjour, aujourd'hui je vous prépare une épaule de porc rôtie, style rôtisserie dans le air fryer Vortex. Pour les ingrédients, j'ai besoin d'une épaule de porc d'environ 3 livres ou 1,5 kg. Il faut le désosser ou le faire par votre boucher, enlever l'os de l'épaule. J'ai besoin d'un litre d'eau chaude, 2 litres d'eau froide, 3 quarts de tasse de sel et 1 quart de tasse de sucre pour la saumure. Pour la badigeonnade, j'ai besoin de 2 cuillerées à thé de graines de coriandre, 2 cuillerées à thé de poudre d'ail, le zeste d'une lime, 1 cuillerée à thé de poivre noir et pour terminer, 2 cuillerées à thé de romarin séché. Pour la préparation de la saumure, je vais placer le litre d'eau chaude, le sel, ainsi que le sucre. À l'aide d'une cuillère, je vais faire dissoudre le sucre et le sel. Je vais ajouter maintenant l'eau froide. Avant de mettre le porc dans la saumure, il est bon de percer, de faire des trous un peu partout sur la viande. Avec une fourchette, ça va très bien. Ainsi que la pièce de viande. Je vais réfrigérer pendant au moins 3 heures. Ça peut être un peu plus, dans le frigo, en le tournant à quelques reprises. Dans un bol, déposez les graines de coriandre, la poudre d'ail, le zeste de lime, le poivre noir, ainsi que le romarin séché et bien mélangé. Il faut sortir le porc environ une heure avant de commencer à le préparer pour la cuisson. Là, je l'ai sorti. Il faut bien l'éponger, ce qui est très important. Il ne faut pas le rincer à l'eau. C'est vraiment important. Il faut conserver la saumure. Maintenant, c'est le temps d'ajouter la badigeonnade. Alors, j'ajoute un peu partout. Et bien frotter pour faire pénétrer. La même chose de l'autre côté. On frotte. On va perdre notre badigeonnade lorsqu'on va retourner. Nous, on va se servir, on a un Vortex Instant Pot. Alors, on a la broche comme une broche à barbecue, alors qu'on va fixer avec les fourchettes. Je vais vous montrer comment faire. Si vous n'avez pas cette broche-là, vous pouvez le faire dans votre tiroir de air fryer, mais vous allez être obligé de le tourner assez souvent pendant la cuisson. J'ai mis maintenant ma tige pour faire le barbecue. Alors, je vais le placer dans le air fryer, mais auparavant, je vais réchauffer mon air fryer à 350 degrés Fahrenheit et pour une minuterie d'une heure. AdFood vient d'allumer. Alors, mon four est bien à 350 pour une heure. Je vais maintenant mettre la broche. Il est à rotate, alors on va vérifier maintenant s'il tourne bien. On est parti pour une heure.
Après une heure, on a vérifié notre température. Elle est à 191, donc pour nous, une heure, c'est suffisant. Si jamais c'est pas suffisant, vous remettez la température à 400 pour un 10-15 minutes. Ça dépend toujours des air fryers et aussi de la grosseur de l'épaule de porc. Pour nous, elle est parfaite, donc on va aller maintenant le couper. Je vais maintenant enlever la corde, si vous avez une corde. Avant de trancher, lorsque je l'ai sorti, je l'ai mis sous papier d'alu pour une quinzaine de minutes pour que les saveurs se partagent. Là, je vais faire des belles tranches. Il est superbe. Et nous allons aller au service. Nous sommes maintenant au service. La viande est superbe. Nous avons tout tranché. Dans notre assiette de service, on a ajouté une salade du jardin d'ici. Je vais maintenant verser une sauce au jus sur, et c'est pas obligatoire, vous pouvez vous servir de ce que vous voulez, sur notre épaule de porc. Et Julia Child vous aurait dit: bon appétit!